problèmes de conception de machines industrielles. Une seule adresse, Génère Énergie. Tu fais quoi avec le téléphone à maman? Tu fais quoi avec le téléphone? De tous les jours, nuit et jour, la nuit, tu dois à 1h du matin, tu es sur le téléphone. On te demande de prendre le papier et le bic pour qu'on fasse le devis pour le mariage de ta soeur. Tu prends le téléphone, tu arrêtes ta main. Maman, tu sais quoi? Je sais pas pourquoi tu t'attardes au truc comme ça. Il faut faire la liste, là on va quitter ici. Et puis... On a dit qu'on commence par quoi? Par les crudités écrites. Quand tu griffes, c'est qu'on a dit écrit crudité. Crudité. On peut même mettre combien, maman? Maman, c'est toi qui connais. Tu m'as dit la dernière fois que tu étais au mariage, t'as compris une charge de quelque chose qui était intéressant là-bas. Donc, faut pas que quelqu'un vienne là, il va venir critiquer. Je suis quand même ton enfant et mon mari, c'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui, hein. On a dit qu'on écrit crudité. Toi, tu proposes qu'on mette combien sur crudité? Les crudités, là, le budget, c'est combien? Même 10 000, là, maman, ça peut aller. Quoi? 10 000. De quoi? Crédité. C'est quoi? C'est le crédité de boutiquier que tu es en train de vouloir faire ici là. On a dit que c'est n'importe quel mariage. Ou c'est le voir bébé qu'on est en train de vouloir faire. Mais c'est 100 000 là-bas. Bon. C'est ça non bébé? Oui, c'est bon, c'est bon. Comment on appelle souvent ça? Lors d'œuvre. Je suis allée à un mariage dernièrement, maman. Le mariage de ma copine, que son fils est venu des États-Unis là. Mmh. Hein? Oui, oui. On a fait lors d'œuvre. On a fait où c'est la nana qu'on a dessinée comme ça là. On a décoré avec les fruits, décoré. Au milieu, on est venu comme ça là, faire le cœur. Mmh. Avec les fleurs, on a pris les roses, on a mis partout comme ça là. Ok, maman. Si ça te plaît, non? Oui. Fais ce coup. Écris 500 000. Maman, c'est pour quoi? Pour l'ordre d'œuvre, 500 000. Voilà, on va faire les tripes avec les intestins du coin du chien. Maman, on va trouver ça. Aïe! J'ai un ami là, un ami Changé de Balivon. Il me dit que là-bas, c'est que ça qu'il mange là-bas, que c'est la meilleure viande. C'est pour ça que je voulais que. Tu sais que les gens sont habitués que dans les cérémonies, on trouve poulet, poisson, frites de plantain, les trucs de tous les jours là. Donc je voulais qu'on fasse un peu l'exception. Mais les trucs, on va payer même 50 chiens. Oui, puis ce n'est que les intestins qu'on va récupérer pour faire les tripes avec donc. Est-ce qu'on vend les intestins du chien au marché? Ok, maintenant. Écrit 50 chiens. Ma, après on fait quoi de la chair? Écris seulement. Soit dedans tu vas pas manger. 50 chiens là pour coûter même combien? Même un chien pour coûter même 50 000. 5 fois 5 fois combien? Ben ça fait 250 000. Écris 50 chiens, 250 000. Honorine ton travail, ça va décrire. Ne sais pas à quoi tu réfléchis. Fais ce que je te dis. Ne discute pas avec moi. Fais seulement ce que je te dis. Tu as écrit. Maman, tu vas comprendre comment mettre quoi? Maman, il faut la viande. Tu sais que le porc, le poulet, les trucs comme ça, ne manquent jamais au mariage. Pour lui qu'on prenne la peine de distinguer, lui on écrit une fois toute variété de viande. Oui. On met même 1 million. Oui, c'est mieux. Maman, nous sommes à près de 3 millions. Hein. Okay. C'est ton mariage. Hé, hey, Honorine, pourquoi tu es comme ça, non? Ça va, maman. On met. C'est beaucoup comment? Mettons. Tu sais que généralement quand les bengis arrivent ici, ils viennent avec leurs amis là. Mm-hmm. Car il faut qu'on fasse au moins un truc classe. Les escargots. Oui. Ay, comme les escargots sont chers, on fait comment? On va aller à la gare de Ndokoti. Mm-hmm. On va voir toutes les femmes qui vont en gros là. On va passer la commande. Mm-hmm. Peut-être qu'elles vont même faire un mois en gros seulement pour chercher les escargots pour nous livrer. Mm-hmm. Mais là-bas, les escargots, 400 000. Mm-hmm. C'est bon. Il faut le tarot. Tu sais qu'il est là. Non, ça ne peut pas manquer. Hé, la nourriture traditionnelle. Voilà. Ça ne peut pas manquer. Écris Taro. Si ta main te fait mal, tu me donnes, j'écris. Tu me donnes, j'écris. Quand on te dit que quelqu'un sort du noir pour voir la lumière, tu ne comprends pas. C'est le jour de son jour. C'est le jour de notre jour. Normalement, tu ne peux pas être plus heureuse qu'elle. Parce qu'après, elle, c'est toi. Moi, je suis heureuse. Non, j'ai écrit. Je mets le prix combien?
peux être à côté de 200 000. Hey, maman, les qui vont piler? Hey. Maman, la femme la plus populaire du quartier. J'ai confiance. C'est toutes les femmes qui aimeraient venir voir qu'on va voir vraiment le mari de, le mariage d'Akamba aujourd'hui là. Mm-hmm. Tu sais qu'elles sont habituées, c'est là que elles se moquent de moi, que la femme là avec ses enfants souffre. Ma mère ne savait pas que mon ventre a accouché. Ça a accouché, ça a accouché. Écrit, même t'as 200 000. 200 000, c'est un camion, Emma. C'est ton camion. Honorine, tu as quoi dans le cœur, maman? Moi, je n'ai rien dans le cœur. C'est juste que c'est tellement exorbitant pour un mari un jour. On n'a même pas encore commencé la liste. Nous sommes à près de 6 millions. Maman, j'ai oublié de te dire. Dis-moi. Tu sais que j'ai reçu un paquet pour toi. Hein? Je t'ai dit. Sérieux? Comme je t'ai dit là, non. Ton beau, il a envoyé quelque chose pour toi. Oui, ça, maman. C'est dans mon téléphone. C'est dans le téléphone, ça veut dire que c'est l'argent. Oui, c'est l'argent. Hey, j'imagine, mon beau ne peut pas m'envoyer 1 million ou 2 millions. C'est sûr que c'est au moins 5 millions qu'il m'a envoyé, maman. Hey, l'argent et toi. Tu m'as envoyé. Oh, 9 mois de grossesse. Je n'ai pas perdu mon sang que j'avais versé pour toi. Merci. Pardon, envoie ça maintenant. Ouais, maman, toi aussi. Mon porte-monnaie, c'est ton porte-monnaie. Non, il n'y a pas de souci, pardon. Mon argent est en sécurité dans ma poche ou dans mon téléphone. Voilà mon téléphone, pardon. Fais la transaction maintenant. Si elle ne te disait pas, si elle ne te disait pas. Il allait me dire. Prends ton téléphone. Fais la transaction là une fois. Tu as fini? C'est bon? Oui, c'est bon. On va joindre ça sur la première liste qu'on a fait la dernière fois là, non? Voilà. Sinon, je n'ai pas un problème avec ce mariage. Mmh. Mais ayant un peu la crainte de Dieu, pensons à Christian. Il a fait quoi? Tu connais Christian où? Derrière qui? Le Seigneur. De toute façon, lui, il a engagé dans sa relation là. Tu veux qu'il s'engage avec qui? C'est ton engagement, c'est ton problème. De quoi tu te mêles? Je t'ai dit aujourd'hui que tu as quelque chose que tu gardes dans ton cœur là. Tu vas finir par vomir ça. L'affaire là, tu vas cracher. Tu vas finir par cracher le morceau là. Tu as trop pitié de lui. Mais après son mariage, qu'est-ce qu'elle va faire de lui? Tu as trop pitié de lui, va te mettre avec lui. Ton problème c'est où? Passe comme ça. Tu es noir comme ton cœur. On fait quelque chose pour ta soeur, tu es là seulement pour le noir cœur. C'est pour ça que tu vas caler dans la maison, c'est que tu ne vas jamais aller à mariage. Ou tu ne vas jamais avoir un bon mari. Tu dois te dire que Marie, il faut avoir pitié. Va chercher un poussin, tu le ramènes ici. Je veux voir où, là où vous allez entrer, dans quelle famille vous allez entrer. Tu m'as laissé un bengis pour venir rester avec Christian. Je ne peux pas, c'est impossible. Quand qui m'a d'abord accepté sa maman? Voilà. Toc toc. Toc toc. Qui va là? C'est moi maman. Hé, c'est toi pas? Oui maman. Mais Dieu, comment tu es chargé comme... Ouf. Non, maman, laisse. Hey. Tu es chargé comme ça. Maman, laisse. Bonne arrivée. Merci, maman. Très heureuse de te voir. Merci beaucoup, maman. Merci. Ah, yeah. Tu es venu sans prévenir. Maman, laisse seulement. Tu sais, je suis tombé. Il y a le groupe Razaf qui est en promotion. La seule entreprise de Blanchibon qui fait des billets en plastique. Comme avant, avec les bouteilles de billets, on cassait sur la tête des gens. Là. Maintenant, tu bois ta bière, tu es rassasié, tu fermes le reste, tu pars toi avec. Et le nom de la bière là, c'est quoi? C'est Slash. Laisse, maman, je vais te faire goûter ça. Ce sont des qui fabriquent Slash? Oui, c'est le même genre. J'ai bu ça un dernièrement à l'ouest. Tu as vu que c'était doux, non? Oh là là! Non, laisse, je vais te garder. J'ai d'abord dit que bon, comme on était ici une fois, le grand-père disait qu'il avait soif là. Il est bon. Bêta, on lui garde ça, il va boire, ça au moins pour 3 mois. Il boit calmement. Ouais. Tu vas donner le sourire, tu vas donner le sourire à mes grands-parents avant qu'ils ne meurent. Maman, laisse. Merci beaucoup, mon père. Ayant accouché une fille comme Caprice, tu mérites tout ce qui est bon. Caprice! Akamba! Maman! Ton bébé est là. Ok. Quand je la vois avec les hauts comme ça, yeah! Je ne veux pas faire quoi pour toi. C'est quoi, on dirait que ton chéri là, tu viens, tu fronces mal le visage. Il y a un problème, bébé. Akamba n'a pas dormi toute la nuit. Elle a un problème. Elle se sent pas bien. Mais tu m'as pas appelé comment, bébé? Tu as quoi? Akamba a eu mal au ventre toute la nuit. Si c'était qu'elle était sortie de cette maison, si hier, yeah, j'allais croire qu'on l'a empoisonné quelque part. Oh maman, le ventre. Oh le ventre. Le matin, je l'ai envoyé à l'hôpital.
On a prescrit des médicaments. 50 000, j'ai porté la hanche à la voisine avant qu'elle lâche. Non, 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 c'est pas un problème. On va régler ça de suite avant que je ne parte. Ça va, ça va. Elle a pris les médicaments déjà. Déjà, oui. Ouais, on ne va pas nous acheter quelque chose. Oh non! Honorine! Oui, maman. Tonton Brissan t'appelle. C'est comment, maman? Bonsoir. C'est comment? Mais il faut te dresser, hein. C'est quoi cette coiffure que la souris est passée sur ta tête? Ah, tu me dis, ah, je donne la main pour la coiffure, hein? J'ai compris. Ah, demande-le alors, c'est quelle coiffe? Maman, tu bois quoi? Bon, cherche-lui slash. Il y a slash, il y a ici au quartier. Slash est partout. Cherche-lui slash, qu'elle goûte encore. Parce qu'elle a un biodème, mais elle goûte encore. On vend ça à n'importe où là-bas. Même si c'est le nom là, c'est tu prends. Si tu ne vois pas ça dans les bars là, tu regardes le grand défaut qui est ici en bas là. Tu regardes ça là-bas. Caprice, je suis là où? Non, non, tu as les Léa, les Lévues, chez une. Elle demande si elle peut aussi prendre slash. Non, bois slash. C'est pour. C'est pas. Ça n'est pas un problème. Vas-y. Merci beaucoup. Donc tu m'achètes le grand modèle de slash. Bien glacé. Même si ce n'est pas glacé, tu achètes le nom glacé, on va mettre au congélateur. Mmh. Ok, maman. Bon, maman. Voilà ce qu'il a gardé aux grands-parents. Boy! Maman, maman, c'est. Hey, pardon, maman. Ça te casse la main, c'est un peu lourd. Mmh. Ouais. Wow. Aïe! On va envoyer ça. Oh, mon père va danser le jour. Oh, mon grand-père. Oh. Vous savez, on dit à notre patron que quand on garde la nourriture au feu des invités, il faut que son mantel, la nourriture risque de ne plus suffire. Suffire. Mmh. Donc, ceci dit, je ne veux pas perdre le temps. Mmh. Je compte d'ici le mois prochain venir avec mes parents pour qu'on fasse le toque porte au caprice. Je peux perdre le temps là comme ça, quelqu'un me devant. Hey! Oui, oui, oui. Maman! Non, non. Je peux perdre le temps comme ça, quelqu'un me traverse. Non, papa, il n'y a pas de problème. Hein. Vous serez la bienvenue. Quand ils vont arriver, je vais aussi appeler certains membres de ma famille. Non, on va leur donner la liste de ce qu'il faut, non. Mm-hmm. Tu sais qu'Akamba, c'est une princesse. C'est pas n'importe qui. Non, maman. Voilà. Même si c'est une reine, même si c'est la sirène des eaux, c'est là où mon cœur bat. Ah! Donc, on va organiser les choses. Tu me dis juste ce qu'il va falloir à votre niveau. D'accord. Je vais mettre à disposition et moi, je sais ce qu'il me reste à faire. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, et en passant, maman, j'ai oublié totalement même que je devais aller déposer notre colis de mon boss parce qu'il est en train de revenir au pays. Mm-hmm. Donc, je pense que je vais devoir partir rapidement. D'accord. Bah, avant de revenir, peut-être le soir ou demain. Merci beaucoup. Ouais, merci pour la visite. Mais je veux prendre congé de vous. Merci beaucoup. Merci. À quand pas pour accompagner chérie, donc, chérie. Moi, j'ai trop mal. Non, ça. Hé, chérie, laisse. Calme-toi. Ça va recommencer. Ça va. Bon, je te fais le dépôt tout à l'heure. Hein. Merci. Tu rentres bien. Oui, maman. Toquer la porte de qui? Devez laisser mon bénis. Quelqu'un qui prend l'avion pour venir prendre un chauffeur, que je suis chauffeur privé. Il va même passer par où? Maman, tu peux voir que le gars, c'est un bandit. Hey. Il a trouvé ça où? Quand tu le regardes, là, il peut avoir l'argent pour acheter ça. Tu as même vu la marque de champagne ici? Quel poison qu'il est venu donner ici? Quel poison? Pardon, écris sur Facebook maintenant là. Filme ça, tu mets sur Facebook que c'est à vendre. On donne au premier venu, on se libère. Stupide, précisément. C'est moi qui construis cette maison. La maison aussi. Ça fait 3 ans que j'ai bâti cette maison. J'ai ma fiancée ici à l'intérieur. Dans la maison de ma fiancée ici. Dans la maison aussi. Yes. Mais c'est quand je te parle, tu ne comprends pas comment. D'accord. Je ne t'ai jamais amené ici. Hein? Non. Sérieux? Non.
La première fois, on est. Je connais votre maison de Bonamou, ça dit celle de Lopom et celle de Aqua. Ne parle pas de Aqua, elle déteste tout quand tu parles de Aqua parce qu'elle s'arrive à là. Ah, d'accord, monsieur. Ah, monsieur, s'il te plaît, donne-moi mon téléphone, c'est là. Oh là là, mon bébé d'amour, allez, viens dans mes bras. Comment tu vas alors? Qu'est-ce que toi, tu m'as manqué, mon amour? Comment tu vas alors? Et la petite maman, tu te vois si froid là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, viens dans mes bras. Voici mon téléphone, moi. Oh là là, merci. Allez, Brissian, je te présente ma fiancée. Akaba, mon bébé, allez, viens. Brissian, mon DAF, mon directeur financier, celui qui gère tout ma société ici. Bref, c'est mon homme de main, c'est mon homme de cœur, c'est quelqu'un d'assez cher pour moi. Allez, Brissian, ça va, boss. Bon, vous savez, si j'avais une maladie de cœur qui est en train de vouloir reprendre. Vous savez, ça, oui, Le cœur. Boss. Vous connaissez la vie de Boss. Viens, bébé. On a fait 7 ans de relation ensemble. Ah ouais, 7 ans. Ouais. Et c'est moi qui a bâti tout ça pour elle. Je n'ai rien avec toi. Je ne suis plus votre chauffeur. Mais Brissian, faut jouer à quoi là? J'ai dit, j'ai démissionné. Viens. Allez, place-toi là. La louche de fille que tu vois là, ça fait déjà 2 ans que tu es avec elle. Pardon? Allez un peu derrière comme ça. Tout ma part d'argent, ça va chez vous. Tous mes avantages, j'ai fait une mini-cité derrière là. Oui, allez derrière comme ça, vous allez voir les locataires derrière. C'est moi qui ai lancé ça. Akaba. C'est moi. C'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai, dis donc, je te parle. Ah, amen. Caprice! On fait que le bain s'équine maintenant comme ça. Caprice! Bas la terre! Akaba, dis-moi! Elle ne devait répondre! Place-toi là! Et tu me parles! Est-ce que c'est vrai? Maman! Maman, elle fait quoi? Maman, elle fait quoi là? Tu as donné de malheur! Réponds-moi! Est-ce que c'est vrai? Mais ça fait quoi, s'il te plaît? Je suis venu pour organiser ton mariage! Hé! Mon beau, tu es arrivé quand? Non! Ne joue pas à l'innocent! Caprice! Vois-moi une grande bandit que mon beau, tu es arrivé quand? Dis-moi la vérité. Il est ton beau, je suis qui? Elle me connaît, papa! Pas plus tard que l'autre jour, je suis venu ici à cette terre, elle m'a dit qu'elle m'a demandé de payer les ordonnances. Je ne veux pas de suite avec vous, Caprice. On va finir au tribunal. Au tribunal de quoi, papa? J'ai dit que je ne te connais pas! Je n'ai jamais vu! Tu ne me connais pas? Je ne te connais pas! Ok, boss, viens. Boss! Caprice, tu le connais, hein? Est-ce que tu connais cet homme? Non. Mais Brissian, vous jouez à quoi? Bon, vous ne me connaissez pas. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Akaba, tu le connais? Non. Vous, parce que vous ne me connaissez pas. Mais c'est pourquoi faire? Je n'aime pas la barbarie. Non, bon, ouais. Monsieur, il peut être en bureau. Il faut t'en déplacer. Merde. Vous ne me connaissez pas. Tu veux faire quoi? Tu ne me connais pas. Tu veux faire quoi? Je vais arriver là tout de suite à terre. Quand tu viens chez moi, me menacer. Viens dans ma tête. Va voir un compte bandit, ton esclos. Merci. Alors ta fille, là, il y a mal de banque. Je vais la ministre derrière, non? Tu me connais ou tu ne me connais pas? Je ne te connais pas. Colorie, dis-moi la vérité. C'est pas toi que je dois commencer. Dis la vérité. Elle me connaît ou elle ne me connaît pas? Non, pas mon sang. Je te capasse. Vous me connaissez ou vous ne me connaissez pas? Ouais, ma, pardon, dis la vérité, non? Quelle vérité? Tête à bouche, maman. Je vous avais bien prévenu, oh. Je vous avais bien prévenu. Vous ne me connaissez pas? Boss, quitte, fallait pas, il faut t'apprendre. Vous me connaissez ou vous ne me connaissez pas? Je vais vous mettre le feu au corps. Je vais vous brûler. Vous ne pouvez pas manger la sueur de mon fond pendant 2 ans. La sueur de ton fond qui était combien? Qui était combien? Tu veux te parler? Tu continues de parler? Caprice, tu avoues. Tu comprends, boss? Attends un peu, Brissian. Tu avoues maintenant? Akaba, donc vous vous êtes associé pour détruire les hommes. Voici 2 victimes. Et on en compte encore combien dehors? Brissian. Boss. Elles vont vous rembourser. Je peux tout perdre, mais toi non. Je connais ta souffrance. Tu sais ce qu'on va faire? Non, boss. Je vais porter plainte contre Caprice. On va porter plainte contre qui? Ok. Il y a pas de qui? Ok, il n'y a pas de problème. Boss. C'est toi qui m'as encouragé. C'est toi qui m'as mis en contact avec boss. Boss. Et on se reprend. Boss, calmez-vous. Le tribunal, c'est rien. Hein? Mm-hmm. Le tribunal, c'est rien.
Allons. Allez. Allons. Allez. Faites très attention. Bon. Faites très attention. Allons. Faites très attention. Ce qui est bon pour vous. Les petits miettes, tu pleures. Ce qui est bon pour vous. Si on mangeait le vrai, donc tu allais faire quoi? Je suis prêt à tout. À je quoi? Suis prêt à perdre même tout ce que j'ai pour te faire du mal. À qui? Bon, je te... À qui? Jalouse comme ça, mais dès que tu as gâté, tu as profité quoi? Tu as profité quoi? Sors! Passe-moi, tu voulais qu'elle est là! Il est! Va avec eux!